Je vais faire ceux que je considère être nécessaires à faire, dans le fond. Fait que c'est ça pour les sous-quêtes et une scène. Le camp est réparé, oh my god. Aïe, j'ai toute la gueule brûlée. Bien, c'est mon tour de briller. Je suis le spécialiste des quêtes du village, mon gars. Le gars a été remis à neuf. C'est le moment idéal pour le chasseur. Cette industrie ne connaît pas la crise. Crise! Ce camp est à la fois le point de départ et le but de vos, final de vos quêtes. Ce camp est équipé de trois choses que pour vous aider dans vos quêtes. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Demandez, je vais vous le dire. La boîte rouge, la boîte bleue et le lit. Entraînez-vous à chasser, chasseur. Regardez, essayez de trouver les trois merveilles. C'est ça. Bon. Ok. Il s'est rien passé là. Vu que ça me tente pas de lire qu'est-ce qu'elle va dire encore, je vais les expliquer moi-même. La boîte bleue, c'est aussi qu'on en reçoit nos supplies, c'est-à-dire les objets qu'on en reçoit au début d'une quête qu'on peut utiliser, que la majorité, on peut pas garder après une quête, à part les paintballs, puis la majorité des munitions. On peut pas garder les torches, on peut pas garder les rations, les premiers soins, mini-guisoire, les cartes, on peut pas garder tout ça, mais on peut garder... En tout cas, c'est juste au début d'une quête, on va tout le temps voir ça. À part en ligne, mais ça, c'est plus loin, vraiment plus loin. En ligne, high rank. Donc, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Fait que là, on va manger des rations pour augmenter notre stamina. Comme ceci. Et la boîte rouge, elle sert à délivrer les objets de quête, comme les champignons, par exemple. Faut que je cueille 5 champignons, faut que j'aille les délivrer ici. Le lit sert à dormir pour remplir notre vie, à quitter une quête quand on a réussi une sous-quête. Puis je pense que c'est tout, dans le fond. Blablabla. C'est en plein ça. Fait que c'est tout pour ça. Et juste parce que j'y pense, maintenant, il y a un raccourci ici pour se rendre à la zone 9. Tu sautes dans l'eau, tu t'en vas ici, et tu rentres dans cette porte-là. Ben, dans cette porte-là, dans cette entrée-là, puis tu t'en vas à 9. Bon, je peux bien y aller. Pas comme si j'allais tout ruiner en allant là. Et on est rendu ici, et... Oh, j'ai failli oublier de vous parler d'un entraînement essentiel. Vous voyez l'horloge en haut à gauche de votre écran. Elle indique la limite de temps de quête. Souvenez-la. L'aiguille blanche. Avance. Je suis en train de perdre mon souffle pour rien. L'écran toutes les 5 minutes. La limite de temps de cette quête est de 50 minutes. Compris? Si vous manquez de temps, vous échouez. Embarrassant! Si l'horloge devient rouge, dépêchez-vous! J'espère qu'elle ne deviendra pas rouge pendant que je cueille les champignons. Parce que ça serait vraiment embarrassant! Oh oui! Bon, les champignons sont à 2. Je pense qu'il y en a un ici. Non. Je me rappelle même plus son où les champignons. Pas fait souvent ces quêtes de cueillage de champignons là. Bonjour, Jaggy! Est-ce que tu voudrais un coup de pied dans la face? Tant! J'ai demandé, mais j'y ai donné quand même. Parce que je suis gentil de même. Oh. Bon, à 2, il est supposé avoir des champignons et des altarofs que je peux mettre dans mon note, dans ma note de chasseur. Mettons-les tout en avançant vers les champignons. Enfin, les sous-quêtes, c'est avec eux qu'on peut l'avoir. T'es laisse cueillir leurs champignons, puis leur cul grossisse et t'es tu, puis tu peux prendre qu'est-ce qu'il y avait dans leur cul. C'est aussi simple que ça. Champignons bleus, il m'en faut 5. Puis c'est en plein seul la quête, cueillir les champignons. Là, vu que j'ai fini ça, ils peuvent pas aller cueillir les champignons, eux autres, par exemple. Parce que je suis salaud de même. Il y en a à 3. Vers la proche de 7 et 3, il y a un autre spot pour les champignons, si je me rappelle bien. Fait que c'est là que je m'en vais. Ou il y en a peut-être un proche ici. Ah, je suis pas sûr. Non. Non. Mouillons-nous les pieds. Non. Oh, ben, tant qu'à y être. Vu qu'on commence, on va cueillir. On va cueillir. On va attraper des insectes. Coque d'insectes. J'imagine que c'est... Insect husk, flash insect, c'est flash bug, coque d'insecte, c'est insect husk. Je suis en train de... Oh, oh, peut-être qu'eux autres, ils vont avoir eu le temps, non? Ah oui, non, on va pouvoir le voir en action. Qui va manger, puis qui va grossir son cul. Regardez! Oh, 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 paf! Putain, puis si je le tue, pas en donner un coup de pied. Whoops! Comme ça, il m'a dit, ça prend du temps de tuer. Oh my god. Il fait apparaître un shiny! Un shiny! Puis eux autres essaient de me tuer pendant ce temps-là.
Puis on peut cueillir le shiny, puis avoir un estomac d'Altaroth, qui n'est pas un champignon pantoute. Mais des fois, ça fait juste partie de qu'est-ce que tu peux pogner en dépassant. Tu peux pas dépasser. Ça fait bizarre de dépasser quand tu fais juste pogner une affaire qui brille à terre. En tout cas, tu peux pas dépasser s'ils n'ont pas pogné quelque chose, un item avant. Puis là, ils sont en train de vouloir me tuer ben comme faut. Hey, j'en ai-tu 5? Non, je vais pas voir ça. J'en ai-tu 5? 4! Faites que c'est le dernier. Et oui, on peut sacrer notre camp et compléter la quête! Là, faut pas, contrairement à tout ce que le tutoriel nous a montré, faut aller au camp, pas à 1, puis sortir par 1. Parce qu'on peut pas durer une quête de même. On peut juste, quand on sort dans le free roam, si on veut, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On a infini de temps. Oh, et quelqu'un est en train de jouer à Vindictus, que je peux même pas jouer sur mon ordi. Ah, c'est-tu plate, ça. Malgré que je peux jouer à 20 FPS. 10 quand il y a beaucoup de monde. C'est pas vraiment jouable à ce nombre de FPS-là. Oh, un autre insecte. Capturons-le. Amérinsecte. C'est un insecte américain, ça? Flash insecte. Amérinsecte, oui, c'est... ou peut-être un amérindien. Mais c'est un... Ah, c'est Bitterbug, ça! Oh my god, c'est pas partie de la même affaire. J'imagine que... ça doit être un insecte américain. Et pour compléter la quête, on fait... ça! Vu que j'ai pas les autres... oh, j'ai celle-là! Hein? Je m'en suis même pas rendu compte. Ah oui, et puis quand on complète une sous-quête, on a des fournitures supplémentaires. Dans ce cas-ci, c'est un mini-guisoir, ration, puis premier soin. Ça change dépendant de la quête. Si tu fais une quête... ah, c'est des champignons uniques en mousse! Ils viennent me faire arnaquer. Ah, mais pourquoi j'en ai pas eu? J'ai eu des champignons bleus à la place. Normalement, je suis supposé d'avoir eu des champignons spéciaux. Bon, j'imagine que je vais couper jusqu'à temps que j'arrive à l'area 7. Ou peut-être pas. Qui sait? On prendra pas du miel. Area 7. Area 7, il y a des champignons. Area 7. Area 8 aussi, il y en a. Si je m'en rappelle comme du monde. Je suis sûr que je m'en rappelle pas comme du monde. Alors, marchons, marchons, marchons. Roulons, roulons. Balançons-nous, balançons-nous. Pétons-nous le genou sur la chaise. C'est une table qu'une chaise, mais je m'assitue, fait que ça fait une chaise. Ah oui! Aïe, aïe, je commence à me balancer un petit peu trop violemment! Aïe, ok, arrêtons ça, on est rendu aux champignons! Ok, champignons! Champi bleu, donnez-moi des champignons uniques! Oh my god, c'est le premier que j'ai eu, c'est bien pour ça. Oui, c'est un... je ne sais plus comment parler, c'est un champignon. Je suis bien placé pour le savoir, j'adore les champignons. Bon, ben, tant pis pour toi. Si vous voulez recevoir les détails de la quête, consultez Info Quête dans le menu jeu. Vous pouvez consulter les conditions requises pour remplir la quête principale et les sous-quêtes. Ah, dis tout qu'est-ce que j'ai déjà dit. Fait qu'on s'en fout dessus. Champi bleu, je veux un champignon unique. Merci, il m'en manque juste 3. Je serais supposé toutes les avoir eues. Et je fais de la boucane, boucane, boucane. Ça, ça. Pierre. Pierre, fait, qu'est-ce que je faisais dans cette pierre? Mais Pierre, qu'est-ce que tu faisais dans cette pierre? Est-ce que je peux rouler des R dans ton nom, Pierre? J'espère que ça ne te dérange pas, Pierre. J'aime ça dire ton nom Pierre, parce que tu as des pierres dans ton pierre. Je sais que ça fait aucun sens, mais je n'avais même pas fini le pierre et ton pierre. Oh my god! Qu'est-ce que je pourrais dire pour rien dire? Rien dire, évidemment. Champignon, champignon? Je crois voir un champignon? Est-ce que j'hallucine? J'hallucine? Pas! Oh, 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 champi bleu! Champi unique! Oh, dis-moi pas qu'il y avait juste deux spots dedans. Hey, qu'il y a 5 champignons, j'aurais jamais cru que ce serait aussi... aussi... j'ai même pas de mots pour le décrire, tellement que c'est... qu'est-ce que c'est ça, des roches? Peut-être qu'il y en a 6.
m'étonnerait qu'il y en ait à 6. Dans le fond, on va avoir un gros groupe de champignons à 6. Oh my god, j'ai failli faire tomber le Nunchuck. Même si je prends pas le Nunchuck, j'ai un Nunchuck à côté de moi. Je suis vraiment pas capable de fermer ma gueule. C'est pas grave, je continue de parler. Oh, il y a des Jagia. Des Jagia. Jagia. Comment faire durer une quête de cueillir... Oh my god! Je vais avoir un orgasme. Je vais avoir un orgasme si c'est un champignon unique. Fuck you. Fuck you, game. Bonjour, Jaggy. Comment tu vas? Ah, come on. Ça a été jamais été aussi intense. Ah, il m'en manque juste un. Juste un. Où c'est que sont mes champignons? Ah, mes rincets. Ah, il m'en manque un. C'est quoi ça? C'est un Jaggy. Pas d'autres champignons? Non. Allons à 5 d'abord. Ah, je montrerai certainement pas toute cette quête là, toi. Il me reste 24 minutes. The recording, probablement. Je vais faire peut-être 2-3 autres quêtes après ça. Puis c'est avec tout. Ah, ils sont même pas réapparus, les champignons ici, toi. Ils font exprès, mais il y a un autre Oni qui est apparu. Honey. Hey, il doit en avoir un autre champignon, un spot de champignon qui apparaît à une autre place. Je peux pas croire. Ah. Oui, les spots réapparaissent. Oh my god, il est là. Orgasme. Hey, ils sont au maximum là. J'en ai ému assez, donnez-moi ça en plus. Oh oui! Orgasme. Ah oui, donnez-moi ça en plus. J'en avais pas de besoin, pantoute. Alors, courons jusqu'au camp pour en finir. Tirons-nous un épée dans la tête. Même si c'est pas possible. Ben, c'est possible, techniquement. Mais parlons pas de ça, vu que ça n'a aucun rapport. Champi mature. Ça, c'est les Altaroth. Les champi sélection, j'imagine, c'est juste des locaux. Excellent, fantastique, merveilleux. Vous avez terminé la quête. Venez à suivre Daniel. Je serai tout fait. Oh! Désolé pour ce problème technique. Votre host s'est étouffé et est mort. Veuillez attendre quelques secondes qu'il ressuscite. Vous allez ensuite recevoir votre prime et vous pourrez rentrer au village. J'informerai la guilde de vos résultats et vous confierons d'autres quêtes. Oh, ben, je sais, ne manque pas de travail. Vous allez accéder à des quêtes. Dans lesquelles. Je sais déjà tout ça. Mais il faut bien que je le lise quand même. Allons dormir, pourquoi pas. Comme ça, vous allez pouvoir voir que la vie se remplit comme par magie. Oh my god. C'est magique. J'en reviens pas. Comment qu'il a fait ça? Quête complétée. Fourniture rendue. Les fournitures que je parlais, là, 50 minutes, là. Oh my god, ça a pris ben trop de temps qu'il y ait 5 champignons. Et champ paralysie, je lirai même pas ces noms. Du miel. Pain berry. Paix extincteur. Ok, ça c'est si on est en feu. 1050 piastres, yeah! Je pense... Ah non, c'est 2000 kek qu'il me fallait pour l'époque.